Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le test d'une résine photopolymère de la marque Polyprint 3D et c'est une résine que je vais utiliser pour finir certaines de mes pièces imprimées en 3D. La première des deux résines est une résine dite de colmatage. Son but est donc de boucher les trous, de réduire les gros défauts que vous pourriez y avoir liés à des traces de support ou encore de boucher les trous de liaison qu'il y a entre deux pièces lorsque vous faites un assemblage. La deuxième résine est une résine de lissage qui va vous permettre de faire disparaître les traces de couches d'impression pour avoir un fini le plus lisse possible. Vous trouverez en description le lien pour retrouver ce produit directement sur le site de Polyprint 3D. Il ne me reste plus qu'à trouver un fichier esthétique, donc il faut que j'ai du goût à trouver pour faire ce test et il faut que ça envoie du gros. Punaise, je m'y ferai jamais. Hein. Tu veux un sujet qui envoie du gros avec du goût? Tu veux un gros goût, quoi? Voici ce qu'il y avait dans le kit que j'ai reçu. Deux pots avec de la résine, deux petits récipients pour pouvoir déposer la résine que l'on va manipuler, deux petites touillettes en bois pour pouvoir mélanger le contenu des deux boîtes, et deux petites spatules pour pouvoir prendre une petite partie à mettre dans les petits récipients. Ce qu'il faut bien penser quand vous recevez tout cela, c'est de bien poser les boîtes à plat quelques heures, histoire d'être sûr que la résine soit bien tombée au fond de la boîte. Quand vous le recevez dans la boîte aux lettres, il se peut que les boîtes aient subi quelques manipulations et donc que la résine soit sur le côté. Et comme c'est pas liquide, c'est relativement visqueux, si vous ne faites pas ça, lorsque vous allez ouvrir la boîte, vous risquez d'avoir de la résine qui va couler de partout et ce sera pas top pour votre plan de travail. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux boîtes? Alors, il y a d'abord une boîte, une première boîte, qui est la première que je vais utiliser pour vous faire la démonstration. C'est une résine photopolymère dont le but est de faire du colmatage. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir boucher les trous que vous auriez sur vos réalisations. Ou, pourquoi pas, et c'est à cela que moi je vais l'utiliser, cacher les jointures entre deux pièces que vous assemblez. La deuxième boîte est donc la partie plutôt destinée au lissage de vos impressions. Le but derrière, c'est de pouvoir faire disparaître, lorsque vous allez peindre vos pièces, les différentes couches que vous pourriez voir. Donc, comme vous pouvez le voir sur les deux boîtes, il est conseillé de mettre des gants pour manipuler. Je vais donc m'exécuter. Voilà. Donc on va commencer par la résine de colmatage. Il y a une chose qu'il va bien falloir garder en tête, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il y a une vue. Vous le voyez un petit peu en rayon, il y a une vue extérieure. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais fermer mes volets, car avec les rayons UV, je risque de faire sécher ma résine, parce que bien sûr là, il n'y a pas du soleil, mais à partir du moment où je vais l'ouvrir, c'est une fonctionnalité de base de la loi de Murphy. S'il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, cette possibilité aura lieu. Donc, je vais d'abord fermer mes volets. Alors, pour pouvoir faire le test, je vais utiliser ce modèle. Et donc, avant de pouvoir utiliser la résine de colmatage, il va d'abord falloir que je vienne coller l'oreille de gros goût. Donc, on va laisser sécher et on revient une fois que la colle aura séché. Voilà, donc maintenant je vais utiliser la résine donc de colmatage pour pouvoir venir boucher les trous que l'on voit ici derrière. Il faut bien mélanger l'intégralité de la résine et tout son contenu. Résine bien mélangée égale bon résultat. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. Je vais prendre un tout petit peu de résine que je vais mettre là. On va prendre un peu plus. Donc là, une des choses à faire, c'est refermer le pot tout de suite pendant que vous y pensez. Donc là, moi, je vais utiliser le pinceau et je vais mettre ici en dessous. Bon.
Bon, je vous propose de déjà commencer par sécher cette partie-là. Alors pour sécher cette partie-là, vous utilisez donc une lampe UV. Et normalement, en 15 secondes, ça doit être séché. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, je compte jusqu'à 16 parce que si je commence à 1, il y a une seconde en moins. Alors, on va voir déjà ce que ça donne ça. Bon, bah, je confirme. C'est dur, c'est solide. On va faire tout le tour, puis après on viendra poncer, on verra ce que ça donne. Alors là, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est que pendant que j'allumais la lampe UV, j'ai laissé le pot et le pinceau à côté. C'est une très très bonne chose si on veut s'assurer que le pinceau se solidifie dans la résine. Et votre pinceau, bah derrière, il est fort, il est foutu. Hein. Bah écoutez, ça m'a l'air bien dur tout ça. Alors pour nettoyer le pinceau, alcool ménager. Alors moi j'ai que de l'alcool à 90, mais c'est globalement la même chose, sauf que moi ça pue beaucoup plus. Tac, on va voir si ça se nettoie bien et facilement. Ok. Ça, c'est propre. Alors, maintenant, on va tester le polymère de lissage. Donc là, le but, ça va être de venir faire les nœuds. Et ça, pour ceux qui ont déjà vu mon bébé Groot, ils savent que j'aime bien, en fait, c'était la première fois avec le bébé Groot, mais que j'aime bien faire des nœuds qui sont jolis. Donc, comme pour tout à l'heure, je l'ai laissé reposer et maintenant je mélange. Résine bien mélangée. Résine efficace. Voilà, faut savoir que déjà là, ce que je constate par rapport à l'autre résine, c'est que ça a l'air d'être bien plus liquide. Donc ça doit être plus simple à effectivement appliquer d'un point de vue lissage. Voilà. Et donc maintenant, on va prendre un tout petit peu. Le but, c'est de faire un œil. On ferme tout de suite pour la même raison que tout à l'heure. Hein. Alors là, on va essayer de ne pas se louper. C'est bon. Alors, on m'a dit de vous dire que le récipient qui est là, c'est pas forcément le récipient final, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment un échantillon. Alors, qu'est-ce que ça donne le nœud? J'ai l'impression que c'est lisse en fait. Hein. Oh punaise, je vais vous faire de ses yeux là-dessus. Je sais pas si vous voyez bien le reflet. Bah, j'ai mis qu'une couche et je crois que c'est largement suffisant. Je vais poncer un petit peu, puis on va voir ce que ça donne.
On va lisser le dessous du tic-tac. Comme ça, c'est une plus grosse pièce, c'est moins délicat, c'est un peu plus roots, c'est un petit peu plus bourrin. Bon, en tout cas, vous avez vu que si vous voulez faire un personnage et que vous voulez lisser que des petites parties, faut vraiment pas beaucoup de matière. Hein. Donc là, je suis vraiment en mode méga bourrin. Donc là, je suis en plus grosse surface. Bon, c'est peut-être à la limite du colmatage que j'aurais dû faire là. Je vais... Bon, histoire de terminer quand même, parce que c'est chiant de gâcher ça. Vous voyez... Faire un œil, j'en ai vraiment mis déjà beaucoup trop et pourtant j'ai même pas mis une grosse spatule quoi. Enfin, maintenant on verra bien ce que ça donne une fois que je ponce l'œil, voir s'il est vraiment bien lisse. Ça se verra surtout quand je vais le peindre. Ma conclusion sur le produit. Si on regarde cette première image de la décoration de Noël que j'avais utilisée pour pouvoir faire un des tests, on voit que de base, le fichier, au niveau de la qualité d'impression, n'est pas trop mauvais. Là, on voit quasiment pas les strates. Par contre, si on regarde cette deuxième photo, on s'aperçoit qu'une fois qu'on va mettre de la peinture sur cette impression, ça amplifie la visualisation des différentes stries d'impression, ce qui est dommage. Si je vous montre la troisième photo, je crois qu'elle se passe de commentaires. Là, j'ai utilisé la résine. Moi, ce que je peux dire du coup là-dessus, c'est que tester cette résine, c'est l'adopter. Ça fait très commercial ta phrase là. Ouais, mais en même temps, elle fonctionne. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Elle fonctionne, hein. Par contre, soyons bien clairs, ce n'est pas une résine pour finir une pièce que vous avez peinte. C'est pas fait pour la faire briller, c'est fait pour la rendre lisse. Derrière, ça nécessite de peindre dessus, sinon vous allez voir des traces. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc ce qu'il faut retenir de cette résine, c'est que c'est quand même une résine qui sèche en 15 secondes. Globalement, vous faites votre pièce, vous l'assemblez, vous finissez les jointures pour que ce soit lisse, et 15 secondes après, c'est sec, vous n'avez plus qu'à poncer. Bon, l'huile de coude n'est pas fournie par Polyprint 3D, hein. Mais bon, en même temps, sur toute impression 3D, à partir du moment où il faut poncer, il faut poncer. Par ailleurs, la résine se ponce très très bien. C'est vraiment pas, c'est pas un bout de verre que vous avez passé 5 heures à poncer alors que vous avez mis 15 secondes à sécher. Ça se ponce super facilement. Du coup, en faisant ça, ça vous permet d'avoir une pièce que vous pouvez sortir de l'imprimante, coller, assembler, finir, lisser, tout ça relativement rapidement. Et après, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre peinture. Et là, ça vous fait gagner un temps monstre. Quand je pense au temps que j'ai passé pour faire mon casque d'Iron Man. Si cette vidéo vous a convaincu et que vous franchissez le pas et que vous allez acheter cette résine, il va falloir quelques petites choses chez vous. Des gants pour la manipulation, du papier de verre pour pouvoir faire du ponçage, de l'alcool ménager pour pouvoir faire l'entretien du pinceau, et donc il vous faut un pinceau, et enfin il vous faudra 3 piles AAA pour équiper la lampe UV si vous prenez le kit avec la lampe UV. Je tiens à remercier Philippe pour les démarches qu'il a engagées auprès de Studio Pro Art pour l'obtention de ces résines Polyprint 3D, ce qui m'a permis de vous faire cette présentation aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao !